avoir un tison dans le cul toute ta vie. quand tu sors de chez toi, t'as des lavabos qui te tombent dessus jusqu'à ce que t'arrives dans une autre pièce. Tombent sur la gueule. Sur la gueule, ouais. Tu peux les éviter. Bah, les lavabos là. Attends, tison dans le cul, c'est horrible. Bah, un tison dans le cul, tu t'habitues, alors que des lavabos sur la gueule, t'as le choc à chaque fois. Ouais, mais tu peux les éviter. Attends, le tison dans le cul, c'est chaud. Attends. Le tison dans le cul, au bout d'un moment, ça cicatrise, à mon avis, c'est plus jouable, quoi. Attends, tu préfères que des guêpes te piquent tout le temps les yeux ou que t'as un serpent qui te rentre dans le nez et qui ressort tout le temps? Ah, pas facile. Mais je vais prendre le serpent, moi je prends le serpent. Enfin, si, si. Je sais pas. Non, moi, les guêpes, déjà, le son, ça me fait flipper. Alors que le son d'un serpent, j'ai rien. Oh non, le serpent, c'est hyper venimeux. Les guêpes, ça va, tu les gères. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, attends, j'en ai un autre. Tu préfères te battre contre un canard de la taille d'un cheval ou 100 chevaux de la taille de canard? Ah bah les chevaux de la taille d'un canard. Ah non. Si. Moi je préfère me battre. Alors un cheval de la taille d'un canard, genre un gros gars. C'est mignon un canard, un énorme canard de la taille d'un cheval. Un canard de 2 mètres, comment tu lui mets un coup? Tu peux. Mais quoi? Mais de toute façon il t'agresse avec quoi le canard de 2 mètres? Bah il a un bec géant mon gars. Bon, attendez. Tu le contours, ouais. J'en ai un autre. Ouais bon. Tu préfères. Tu prends un canard quand même. Tu préfères manger Tintin ou sucer Milou? Manger Tintin. Bah sucer Milou. Bah non, ouais. Manger Tintin, ah non, tu manges Tintin. Tu vas pas sucer Milou, attends. Bah manger Tintin, c'est cannibale. Bah hein, c'est quoi, comme un animal. Manger, sucer un chien, bah. Bah ça va, sucer un chien, moi j'ai déjà. Ah. Mais t'es un gros porc. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.